Bon bah salut, je vais faire comme Kéké, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène. Et moi aussi ça tient dans un sac. Donc des vêtements techniques, donc un pantalon. Je prends aussi un t-shirt. J'en prends trois en fait, trois t-shirts, parce que je pense que c'est important. J'en mets un quatrième, on sait jamais. Une chemise parce qu'à Bergen ça peut être sympa. Donc le haut, le manche longue, je pense que c'est utile. Un pantalon. J'emmène 5 t-shirts. 5 t-shirts, c'est assez indispensable. Un petit coupe-vent, ça c'est aussi bien. Bon, j'ai peur de ne pas avoir assez de t-shirts, donc j'en reprends deux aussi. Les pulls, oh, ça c'est important. Le coton c'est bien parce que quand c'est mouillé, c'est un peu plus lourd. Donc ça c'est sympa. Donc j'en ai un, mais j'en mets aussi un deuxième. Alors je rajoute aussi quelque chose qui est important, c'est des affaires de vélo. Les affaires de vélo, ça c'est utile aussi. Parce que bah, ouais, si les journées sont courtes, bah, j'en prends aussi. Vu que je prends des affaires de vélo, je prends aussi une cassette. Une cassette, ça c'est important. Bon, évidemment, l'inévitable short. Une protection, mais sur le genou droit. Le genou droit, c'est important. Voilà. La combinaison, ça c'est indispensable. L'organisation le prévoit, mais j'ai un sac assez grand, donc c'est absolument pas un problème. Je peux. On voit, on est. Voilà. Donc ça c'est bien. Bon alors un duvet, bon toi t'as prévu un duvet light, moi je prends pas light. Hein. Donc j'ai un bon petit sac, on ne se rend pas compte comme ça, mais il est vraiment très efficace. Donc là je mets un bon duvet. Ça c'est vraiment, il ne faut pas lésiner quand même sur le duvet. Donc l'armure un petit peu quand même, ça c'est utile. Alors j'hésite un peu. Mais la pompe c'est important aussi. Donc je vais pas la mettre dans ça, je vais pas exagérer, mais je pense que je vais la mettre sur le côté, donc je la laisse là. Je prévois aussi un peu de lecture. Donc là j'emmène des livres. Parce que ça c'est. Voilà, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait emmener d'autre? Bon là j'ai des choses, c'est peut-être un peu superflu, mais. Bon, on est quand même en Norvège. Alors je pense qu'un dictionnaire anglais-norvégien, c'est indispensable. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est bien quand même. Voilà, et si je devais un petit peu abuser, je vais prendre des crayons de couleur. Voilà, les crayons de couleur, c'est... Ah, je pense que 20, c'est un bon... C'est une bonne quantité, voilà. J'en mets pas plus. 20. Et puis bon, vu qu'il me reste un peu de place, je pense que en habit, on peut encore en mettre. Voilà. Voilà. Je pense que là c'est bon. Le t-shirt, voilà. Voilà, tout ça, ça tient là-dedans, donc s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, bah, je suis preneur. À bientôt.